Regarde au-dessus, mec. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Ah! Attends, attends, mec, je sais pas comment ça marche. Gros. Et je sème et je sème, je plante et je cultive et je l'aime et je l'aime. Des bas, y'a des hauts et des bas, j'apprends toujours à te connaître de haut en bas. Ça fait 3 ans, en même temps 3 semaines, je te connais par cœur mais je te découvre. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, ça pète la forme. Il y a quelqu'un qui vient de parler dans le fond, vous allez très vite voir et comprendre qui est cette personne. J'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Madventure. Il y a une nouvelle construction au spawn, c'est incroyable. Aujourd'hui, on va faire plein de choses, on va découvrir un petit peu le nouveau Nether là avec l'1.16. Ça y est, on est passé à 1.16, c'est incroyable. Petite parenthèse, avant d'aller chercher mon invité du jour, je voulais juste vous... Alors, pourquoi j'ai l'objectif sur moi, je ne sais pas. Oh, il y a tout qui est bugué. Faudra qu'on refasse le point sur les objectifs, les amis, mais aussi un point sur le livre des abonnés. Je suis un petit peu perdu, donc si jamais, bon là j'ai pas le livre sur moi, mais si jamais vous voulez être dans le livre des abonnés, je ne sais plus, voilà, si vous êtes dedans ou pas, peu importe, mettez tout en commentaire, voilà, remettez-vous, même si vous y êtes déjà, c'est pas grave, mettez-vous comme ça, je ferai le point et je vous ajouterai comme il se doit, parce que je suis un petit peu perdu avec cette pause youtubesque que j'ai faite, donc voilà. Je vais aller chercher mon invité, je me demande bien qui ça peut être. Alors là il y a une nouvelle construction, on va aller voir ça dans quelques instants, je ne sais pas c'est qui a fait ça. Voyons voir, puisqu'aujourd'hui je pense qu'on va aller dans le Nether comme dit pour découvrir la 1.16, donc peut-être que par là il y a quelqu'un. Oh bah mec, j'allais pas te voir. Bonjour. Il est en train de boire une binouze, il parle plus, il est en train de boire une binouze. Salut Seriac, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ça va plutôt nickel. Alors attends, je baisse un peu le volume, je t'entends pas trop, impeccable. On a énormément de choses à se dire. Seriac, je pense que... Alors parce que Seriac me disait hors vidéo que personne ne le connaissait, qu'il est jamais apparu sur ma chaîne, pourtant j'en suis pas persuadé. Pour moi, on l'a déjà vu sur YouTube et je pense que vous êtes quand même nombreux à le connaître sur ma chaîne en réalité. Alors vous savez quoi, en commentaire les amis, pour ceux qui connaissent Seriac, je veux que vous mettez en commentaire bah, comment vous le connaissez. Comme ça, ça va contredire ce que pensait Seriac. Et puis ça se trouve, il y aura personne qui va dire quoi que ce soit. Tu sais, genre les gens ils vont dire bah non, on connaît pas Seriac. Je pense pas, non, vraiment. Bah, pour écoute, moi, je suis peut-être apparu, mais genre très rarement, tu vois, donc je sais pas. Voilà, ah, ça, je pense que c'est plus plausible. Voilà, je pense que c'est plus plausible, mais t'es déjà apparu, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que cette armure que t'as sur toi là? Là, mon cher ami, c'est de la netherite. C'est une armure du nouveau minerai présent dans la nouvelle version 1.16, car le serveur est passé en 1.16. C'est incroyable. Ce mec est chaud parce que c'est compliqué à choper, tu m'as dit. Bah, c'est assez rare, ouais. Et puis, ça se trouve aussi dans les zones du Nether assez profondes, donc assez dangereuses aussi. Donc, voilà, il y a différents moyens de l'avoir. Et si tu veux, je te montre un petit peu. J'aime bien aller dans les profondeurs. Bah ça marche, écoute, on ira dans les profondeurs, mon ami. On ira dans le Nether du Nether, alors, parce que Nether ça veut dire profondeur déjà, donc... Ah non, ça veut dire néant. Non, je sais plus. Ouais, au plus profond du profond. Au plus profond du profond. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que c'est que ce truc? Boutique du Stonks. C'est toi qui as fait ça? Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Bah, ah, mais le coquin! Mais, hé mec, en off, j'étais là en train de dire, il y a quelqu'un qui a mis une nouvelle construction, je sais pas c'est qui, il m'a même pas dit que c'était toi! Ok, alors c'est quoi? Coquin. C'est une boutique. J'avais parlé sur le Discord que je voulais faire un petit projet de boutique. Et voilà, bah, j'ai mis 2-3 trucs à vendre. Il y a des livres enchantés, il y a des trucs, je changerai peut-être. Ok, c'est ça, cool. Ça va varier, du coup j'ai mis un livre ici d'explication, si tu veux regarder. Donc, c'est ça. Si vous avez besoin des trucs ici, bah, en fait, il faut juste échanger. Logiquement, ça coûte pas hyper cher. S'il y a des réclamations ou ça, on peut changer. Hein. De toute façon, les items vont changer au fur et à mesure. Mais voilà, du coup, j'ai voulu faire ça et voilà, je trouve ça bien. Ok, ça marche. Alors par contre, juste, tu peux me dire pourquoi? Je sais pas s'il y a que moi, mais les caractères spéciaux, genre les accents et tout, ils ont un bug. C'est normal? Non, toi, c'est normal? Bah non, moi, j'ai pas ça. Ok, alors ne me dis pas moi, que pas ça de vient... problème. Ça vient peut-être de ça. Oh ouais, mec, attends, juste, c'est trop chelou chez moi. Hein. Ok. Depuis qu'on est passé à 1.16, c'est bugué, mais bon, c'est pas grave. Alors, bienvenue au magasin de Seriac. Dans chaque tonneau se trouve un article. Merci de respecter la somme demandée, car les stocks sont limités. Pour procéder au paiement, veuillez déposer la somme au sein même du magasin, j'imagine. Merci. Non, du quoi? Écrit le tonneau, mais bon.
Ok, non mais je te dis, moi, chez moi c'est bizarre. Merci de ne pas voler l'argent et les articles. Bah, déjà je fais ce que je veux, je suis administrateur du serveur. Les marchandises peuvent varier avec le temps en fonction des stocks disponibles ou des envies de l'entreprise. Ah, c'est carrément une entreprise. Si vous avez des suggestions d'articles, merci d'en informer le responsable marketing alias Cériac. Pour toute négociation ou réclamation, merci de nous en faire part. Nous rappelons que vos achats sont satisfaits ou remboursés, bien évidemment. Merci de votre compréhension. Bien évidemment. Bien évidemment. Oh, j'adore. Bah mec, bonne initiative, ça fait plaisir parce que nous on voulait, voilà, on voulait faire un marché au spawn et on s'est jamais pris le temps de le faire. Et puis Cériac, ça fait une année qu'il travaille, qu'il charbonne. Là, il a deux mois de pause. Il arrive sur le serveur, il se fait un stuff en netherite direct, il se fait le marché. Il est chaud de night, le mec. Il est chaud. On profite comme on peut, mais du coup regarde un peu les articles qui sont en vente, voir s'il y a des trucs qui t'intéressent ou pas. Alors, ah oui, pour du mending, 6 diamants. Alors attends, juste par exemple, je les mets où? Ah, c'est dans le tonneau derrière, c'est ça? Non. Tu prends l'item et tu remplaces par la sur. D'accord, ok, c'est ça. Enchantement rare. Ah, t'as même mis un papier pour... C'est ça. C'est excellent. C'est merde, c'est excellent. Bah non, mais c'est clair. Netherwart. Issu de l'agriculture bio. Mais attends, mais ça va être trop drôle tes trucs. Là, Quartz. Il n'y a pas de mots, c'est dommage. Non, j'ai mis des mots-clés pour les Netherwart. Enchantement rare. Ok, ok. Là, il n'y a rien. Enchantement, équipement chevaux. Sel, 4 émeraudes machin. Armure en or, ok, ok, ok. Et équipement de base. 7 complets, 15 émeraudes. Ah ouais, quelle escroquerie, monsieur. Ok, non, c'est cool. C'est plutôt sympa. Et donc voilà, ça va varier, c'est ça, en fonction d'eux. Mais en fonction de ce que j'ai, de ce que vous voulez aussi, j'invite les gens du serveur à faire des boutiques aussi, vu que apparemment c'était un projet. Très bien, bah oui, carrément, carrément. Bah écoutez, vous avez entendu BXNO, Creo, Lady de Dragon Alpha, Anaïs, j'en ai oublié, vous avez entendu. Ok, très bien. Alors, du coup les amis, pour cet épisode, oui, on va découvrir le nouveau Nether, je vais le découvrir avec Cériac, enfin Cériac va me le faire découvrir, mais d'abord, parce que Cériac, je vous ai dit, hein, il est revenu, il est chaud, il fait des trucs de fou. Eh ben, je crois qu'il a bien avancé sur sa base, et j'ai hâte d'aller voir ça. Alors, eh ben oui. Je te suis. Ah, vas-y, suis-moi. Voilà, donc je vais faire une visite guidée de ma base. Donc, yes. Elle est assez grande, donc j'essaierai d'aller assez vite. Oh, tranquille, on a tout notre temps, mec. Oh, base derrière, inactive, voilà. Voire derrière. T'as, c'est rien qu'il est chaud de night. Ouais, non, mais c'est parce que ça, c'est la base où je vais plus, du coup. Ah oui, c'était son ancienne base. Là, c'est ta nouvelle. Hop. Ok. Ah oui, voilà. C'est vrai. Oh. Ok. Attends, juste, je fais une pause, là. Hop, je m'essuie les mains. Je mets du gel hydroalcoolique. Attends, c'est énorme. Parce que du coup... Ah oui, avant de rentrer, oui, faut se désinfecter les mains, évidemment. Oui. Alors, j'ai mon masque, hein, d'ailleurs. Hein. Je sais pas si tu le vois. Ouais, moi, j'en ai pas. Ah, mais... bah, respecte. Va un peu plus loin, là. Ouais, ok. 1m50. Génial. Ah, par contre, il va déjà faire nuit, ça me fait chier, j'ai pas de lit sur moi, c'est pas bon, vas-y, je te suis, vas-y. Allez, c'est parti. Voilà, on va faire de nuit. Oh, des tonneaux, incroyable. Voilà, donc voilà, je t'invite à faire des coupures parce que ça risque d'être peut-être ne un peu long. T'inquiète pas. Donc j'ai également mis un livre d'information, si tu veux. Ok, bonjour et bienvenue dans la base de Cériac. Il s'agit d'une base, dans le style pirate, pratiquement totalement autonome, présence de machines pour produire de la matière première. Ah ouais, son entreprise, elle est fonctionnelle. Hein. Ce manuel vous aidera à vous diriger. Salle des coffres, sur la droite. Ok, ok. Le jardin souterrain, zone nether, espace de vie. T'as vu, je zappe. Hein. La tour d'observation, les jardins extérieurs et les usines. De toute façon, tu vas me montrer, donc voilà quoi. Ok. Eh ben, let's go. Bah, on va commencer ici, hein, ici. Ok. Alors là, il y a une petite salle avec des fours automatiques. Hein, donc ça, c'est assez classique. Le fameux. Donc le coffre de derrière, c'est pour mettre le charbon, les trucs pour faire cuire, et au-dessus... D'accord, oui, okay, c'est ça. Cuire, et puis ça se disperse directement. Et ces coffres, ils sont ces fours, ils sont directement liés en bas. Oh, ok. La salle des coffres. Donc quand tu cuis quelque chose, ça va venir se ranger dans les coffres. Tu descends comment? L'escalier. L'escalier. Là, non, derrière. Ça y est, et je commence déjà à me perdre. Alors soit tu prends l'escalier là, soit tu descends ici, quoi. Ah. Le temps que je comprenne, mec. Ok. Ok. Donc, une petite salle assez cosy, avec un petit tapis rouge fait avec un parquet en bois du Nether, évidemment. Ah oh, ouais, donc, d'accord. Voilà, donc ici, bah, c'est mon espace de rangement, il n'y a rien à dire de plus, avec la petite table d'enchant, les coffres, etc.
Oh mec, ça pète. On a aussi des entonnoirs partout, tu regardes au plafond, c'est parce que évidemment c'est relié aux usines, aux certaines usines. Donc ici j'ai une usine à canne à sucre, donc voilà, ici. Et j'ai aussi une usine à kelp, donc à algues, qui va aller couler directement pour former ici ce truc-là. C'est excellent. Donc, et ça c'est du carburant aussi pour les faux. Ok, ok. Voilà. Putain, mais il est tout charbon. Ah, ensuite par ici, c'est un peu les champs. Souterrain, tout est souterrain. Ici, on a un tuyau qui, par exemple, on va voir de l'autre côté. Si j'ai des ressources en trop, je mets dans ce coffre ici et ça crée de la bonne mule. Aussi des villageois, donc ça, je vais vous montrer après. Voilà. Non, mais mec, attends, juste au-delà des machines que tu fais, mais c'est genre super mignon, super beau, super stylé. Mec, Je te remercie. C'est, les gars, c'est le nouveau iPierre. Je rigole pas. Ok. Je suis vraiment une couille en redstone. Hein. C'est juste parce que je regarde des vidéos de ça. Mais. Ok, ok, ok. Voilà, ici c'est juste. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, par contre, là tu vas dire nouveau iPierre, machin, voilà, mais. Bon, ça va, en vrai, je... C'est juste une porte, hein, voilà. Tout va bien. On va pas parler chinois. Et alors ici, j'ai pour cette zone-ci, bon, je l'ai appelée la zone Nether, parce que c'est le Nether, et donc j'ai fait un petit RP, comme si c'était un peu un laboratoire scientifique, où c'est un peu dangereux d'y entrer, c'est pour ça qu'il y a une porte, d'ailleurs. Je comprends ça, ok. C'est un sas. Voilà, c'est un peu un sas, et quand tu rentres à l'intérieur, il y a une certaine ambiance et tout. Donc, il y a des lianes, des lianes partout. Oh. Ici, on a un villageois test. Oh. Ah, bêta testeur. Ah ouais, voilà, il dort bien, là, le testeur. Ouais, voilà. Bah, écoute, on est méchant, on fait des tests sur lui, mais on lui donne quand même un lit pour dormir, c'est sympa. Ça, c'est gentil. c'est plutôt sympa. Oh là là, mais mec. Alors, on a des villageois qui sont planqués aussi. Par exemple, ici, c'est le villageois qui fournit la marchandise de Fortune 3 pour le magasin. Ok. Ici, bah, c'est mon champ de Netherwart, directement relié à la salle des coffres également. Mm-hmm. Ok, ouais, je vois. Voilà. Et si tu veux voir par ici, il y a aussi des villageois qui sont planqués là. Parce que là, c'est les villageois mending. Attention, ça rigole pas, c'est le plus précieux. Ouais, ouais. Donc, il y en avait un ici, mais il est plus là. Et celui-là, il est mieux parce qu'il est moins cher. Du coup, celui-là, il est parti chez lui. Il n'est pas du tout mort. Ah, alors, bien évidemment. Ok. Bien évidemment. Ici c'est le couloir, donc tu peux avoir un petit visuel, sur les deux usines à canne à sucre et à algues. Mm-hmm. Ok. Ah. Donc ça c'est pour la partie basse de la base. Ensuite, on va voir le Nether après, on va monter. Mm-hmm. Ici on a un ascenseur pour monter au deuxième étage. Ça me fascine. Okay. Ici, c'est l'espace de vie, comme tu l'as vu dans le bouquin. C'est tout ce qui est cuisine, chambre, etc., bureau. Voilà. Attention, il y a... Tout va bien. Ok. Ok. Heureusement, j'ai une bonne épée. Ah ouais? Ah oui, un Netherite. Oh là là. Donc ici, c'est mon bureau. Ici, tu peux même t'asseoir, si tu veux. Assieds-toi sur le siège du capitaine. Ah, le fameux siège. J'ai le droit. Putain, c'est bon, ça. Qu'est-ce que... Oh, puis elle est confortable. Hein. Administrateur du serveur, évidemment. Ah oui, c'est vrai. C'est gentil, merci. Tout est à moi, en fait. C'est ça. C'est ton serveur, mec. Incroyable. C'est pour ça que je vois un peu les coffres. Hein, toi. En haut, il n'y a rien dans les coffres. C'est juste un espace de stockage. Où je vois. Montrer les trucs. Je sais très bien. Très bien, très bien. Ok. Stylé. J'aime bien l'idée de mettre des trapdoors là pour faire des murs. Voilà. Ouais, mais c'est pour faire des portes, en fait. Si tu regardes de loin, c'est comme si ça faisait une grande porte, en fait. Ah oui, c'est ça, t'as raison. Ouais, ok. Stylé. Ah ouh ! Ah oui ! Voilà. Bah, un actilicien à la conquête du monde. Ah, pardon, ça rappelle des souvenirs, là. Ah bah, ça rappelle carrément des souvenirs. Ah, c'est ouf ! Et en haut, c'est la tour d'observation. J'arrive. Observons. Il faut quand même surveiller les environs. Ah, c'est important. Hein. Donc voilà. Et donc ne regarde pas par là, ça va spoiler un peu la suite. Ok, ok. Du coup voilà, ici on a un petit visuel. Mm-hmm. C'est assez sympathique, voilà. C'est stylé. Alors déjà, ouais, bon, moi je l'ai déjà dit, mais niveau build, mais mec, c'est incroyable. Par contre, tu m'as donné une idée.
Au-delà de ça, quand j'ai vu ton sol avec les blocs du Nether, je pense que mes dômes, tu sais, je sais pas si tu sais, je fais des dômes sous l'eau là. Et ben, je pense que je vais utiliser ces blocs là pour faire des sols. Voilà. Ça peut être plutôt mignon. Ah bah, ça va. Oh! Je m'attendais pas à la suite là. Ok. Ici, c'est l'extérieur. Donc, le jardin qui est pas encore totalement aménagé. Mm-hmm. Mais voilà, donc on a gardé le traditionnel feu de camp. Ah, et toujours le feu de camp. Le feu de camp, il est toujours là, sauf qu'ici, il y a un chaudron et tout. Voilà. Oh. Et derrière toi, c'est Montgolfière. Incroyable. Elle est fonctionnelle. Fonctionnelle, très fonctionnelle. D'ailleurs, rentre à l'intérieur et tu peux lire le panneau. Je vais aller tuer Creeper. Alors, je te jure que si tu me fais envoler, je te crois pas. Waouh, c'est stylé. C'est une ferme à faire, mec. D'accord. Et on peut monter ou pas? Ah oui. Tu peux monter si tu veux, oui. Ici. Ah oui, enfin, il y a juste à récupérer le fer en bas, en fait. Ok. Comment elle fonctionne, cette usine? Bah, t'as des villageois. Donc, c'est comme si ça y avait un village, en fait, dans ce ballon. Mm-hmm. Il y a un zombie qui effraie les villageois. Mm-hmm. Du coup, ça va spawner le golem de fer là-haut. Et qui va mourir avec la lave et faire du fer. Mais le pauvre, il a rien demandé. Ok. Stylé. Mais mec, je garantis que les golems de fer sont totalement consentants à ce qui leur arrive. Ah bon, alors ça va. Franchement, ça va. Bon, après, ils sont fiers dans la Mongolfière. Donc, dans la Mongolfère, j'ai envie de dire. Oh, c'est la Mongolfère, mais c'est un truc de la fou. Mongolfère. D'ailleurs, comme tu peux voir, ça produit assez bien. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais mec, mais t'es vraiment le nouveau Hypierre. Je suis désolé. Après, je suis désolé, en commentaire, les gens ils vont dire « Oui, alors toi, tu sais vraiment pas ce qu'il fait à une pierre. » Bon, moi, je suis pas calé, mais quand je vois tout ça, les gars, c'est fou. Et okay. Pierre, c'est pour te dire, il fait des trucs encore plus fous. Ça, c'est très classique. Non, c'est même pas de la redstone, ça, d'ailleurs. Ouais, c'est bon, là. Aucune redstone, là-dedans. Arrête de vouloir rehausser Hypierre aussi haut qu'il est déjà. C'est bon, on a le droit un petit peu de voir, enfin, de complimenter. Enfin bref, c'est trop stylé ce que t'as fait, quoi, franchement. Ça va, merci beaucoup. Excellent, de rien beaucoup. Ah, toujours les boutons, ça c'est ta spécialité, mettre des boutons pour créer des reliefs, ça je le sais. Ah ouais, ça crée un peu comme s'il y avait... Bah du bois, quoi. Une certaine structure, quoi, enfin, voilà. Comme s'il y avait des clous qui maintenaient la structure, c'est ça. C'est ça, je vois, ok. Et là, on a déjà fini. Et si... Là, c'est pour la base principale, ouais. Donc, okay. Ça allait assez vite, hein, finalement. Ça allait assez vite, hein. Eh ben... C'est maintenant, je vais te montrer ce que j'ai fait dans le Nether. Vas-y, oh après, non, mec. T'as fait des trucs dans le Nether, gros. T'as fait des trucs. Oh là là. Non, mais c'est pas grand chose. C'est juste des usines, en fait. Encore. Ok. Vas-y, j'arrive. Bon, risque de contamination, j'ai vu, donc on va faire gaffe. Après, j'ai mon masque, hein, ça va. Bah, moi, tu vois, je suis habitué, du coup, ça va. Ouais, faut fermer, faut pas oublier. Voilà. Bien voilà, bien. Je t'invite à rejoindre. Je suis là et j'ai hâte de voir et j'ai plutôt peur. Et là, ça va être le nouveau Nether, c'est ça? Pas encore, ici, okay. C'est encore les chunks normaux. Ah, Ghast. Oh, voilà. Tu l'avais même pas vu. Non. Oh mec, attends. Oh là là, c'est la première fois que je tiens une torche bleue dans ma main. Voilà. C'est oui, fou. Bah ça tu verras après, c'est par là la suite. Ok, ça alors, donc ce que j'ai fait ici, bah même chose, une usine, je peux faire des usines, moi. Ah. Et voilà, donc ça c'est une usine à trade, comme tu le sais peut-être, ça c'est un piglin. Attends, le piglin Patrick Balkany, le roublard en train de voler votre or. Ok. Effectivement, on l'avait pas prévu celle-là. Non, c'était prévu, évidemment. Ah, je pensais pas. Donc ça, c'est donc un piglin qui échange des trucs avec de l'or. Mm-hmm. Voilà, donc il va jeter son loot. Ça va tomber dans les... Comment on appelle ça? Les entonnoirs. Mm-hmm. Et alors ça, c'est une machine à filtre, en fait. Ça va filtrer tout ce qu'il prend et ça va mettre tout ce qu'il faut dans les bons coffres. Voilà, d'accord, c'est ça. Et tu fais comment pour trade avec lui? Tu montes en haut? Tu mets de l'or dans le dispenser. Ah. Ici, t'as un levier pour allumer la machine. Et puis, t'as l'or qui se dispense toutes les 2 secondes. T'as de l'or qui arrive. Enfin, attends, là, il n'y en a pas dedans, mais t'as compris le principe. Et tu mets de l'or dans quel dispenser, gros? Je suis perdu. Si, là.
Ah, pardon, d'accord. Oui, ok, ça roule celui-là. Ok, d'accord. Oh putain. Stylé, stylé, voilà. Pierre. Ok. Au secours. Bon. Et après, là-bas, c'est juste une ferme à blaze. Donc, évidemment, toutes les usines qui sont ici, tout le monde peut les utiliser, bien évidemment. Ah, c'est gentil. Bah, je t'aurais pas demandé l'autorisation, non. Mais. Je rigole. Mais bah, voilà, il faut toujours préciser. Excellent. Bah, c'est gentil, hein. Oh là là. Mais regarde, mais juste. En ici, fait, donc, mec, c'est trop mignon. Ces nouveaux blocs sont trop mignons. Mais j'aime bien la couleur des planches, c'est sympa. Bah mec, juste petite parenthèse, en vrai, je l'ai trouvé un peu... Enfin, je sais pas, je me disais, c'est dégueu. Avec Marion, enfin BXNO, quand on pensait à Tiki Land, notre parc d'attraction, on s'est dit, on pourrait utiliser ces blocs-là pour faire les toilettes. Et justement, je trouve ça dégueu. Mais en fait, je trouve ça mignon, finalement. Ouais, c'est un contraste. Bah, hein. Tout dépend de l'utilisation, mais ouais. Ouais, franchement, il y a des bons côtés. Cette mise à jour est quand même vachement intéressante, je trouve. C'est vrai. C'est ça qui m'a donné un peu l'envie de rejouer aussi. Cool, ça fait plaisir. Et puis surtout que t'as fini, enfin que t'es en pause, quoi. Également. Ce qui fait plaisir. Oui, parce que c'est vrai que le pauvre, il a, juste en petite parenthèse, hein, il a charbonné toute l'année, mon pote. Bah ça, c'est quand on fait des études universitaires, on n'a plus trop le temps de jouer, et surtout maintenant, en coronavirus, quand on doit travailler chez soi, étudier des cours par soi-même, c'est assez compliqué. Donc, effectivement. Effectivement. Très bien. Bonnes vacances, hein, ceux qui sont en vacances. Yup. Ok, bah je te suis. C'est quoi du coup ici ? Ici, c'est une ferme à blaze AFK. Donc tu te mets ici, en haut. Ok. Tu restes ici AFK, t'as les blazes qui tombent. Et si tu restes par exemple une demi-heure, une heure, tu reviens, tu tues les blazes et ça fait des blaze rods et de l'XP. Ah voilà. Oh, mais c'est génial ça, d'accord. Donc, mais oui, parce qu'ils se font entraîner par la lave. Mais c'est excellent. C'est la... Exactement. Alors... En fait, ça, c'est une nouveauté de la 1.16. Ah bah voilà. Et ben voilà, on est d'accord. Parce que j'allais te dire, mec, c'est la première fois que je découvre cette fonctionnalité, genre comme dans le monde normal avec de l'eau, sauf que là, c'est le feu, quoi. Ok, excellent. Mec, c'est fou. Ok. Mais mec, oh là là, Mojang, big up, hein, ils sont forts aussi. Hein. Ah ouais, et mec. Donc ici, ça tombe dans les coffres en dessous, donc ça produit assez bien aussi. D'accord. Surtout quand t'as une looting 3, c'est assez intéressant. Eh bien, j'ai pas de looting. Ouais, ok, bah, c'est stylé. Là, c'est fini. Ok, bah mec, c'était quand même rapide. Hein. Enfin. Non, franchement, c'était quand même rapide, je trouve, ton petit tour. Pour tout ce que t'as fait, en vrai, t'as bien résumé. J'ai essayé de bien résumer, effectivement, oui. Ah non, t'as bien résumé. Il y aura, je pense, même pas beaucoup de coupures, en vrai, hein, sincèrement. Ok. Ça aussi, c'est des nouveaux... Oui, c'est les nouvelles pancartes, ça, hein. En fait, ouais, avec le bois du Nether, on peut faire tout ce qui était possible avec le bois, quoi. On peut faire tout. Ok. Bah, est-ce que tu peux m'emmener dans une zone nouvelle ? Genre, nouveau chunk ? Oui. Bah, écoute, c'était la deuxième partie de la vidéo, du coup. On va yes. Y aller. Exactement, je te fais des petites transitions, t'as vu ? C'est toi le maître, hein. Ah, il y a un chat. Ouais, c'est parce qu'il passe le portail. Le chat de l'enfer. Ah, oh, bah, il y en a deux. Ok. Ils sont mignons. Bah, faites attention. Voilà, hein. Le moment un peu chiant, donc si t'as envie de parler de quelque chose, je sais pas, en particulier. Eh ben, écoute, je peux faire un sondage. Je vais te demander ton avis, mais j'aimerais également l'avis des abonnés. Alors, je peux même plus faire de sondage avec YouTube en haut à droite, là, la petite fiche. Voilà, YouTube m'a interdit, donc malheureusement, il va falloir répondre en commentaire. Je me demande une question. En fait, j'ai un objectif, je vais te dire. J'ai un objectif qu'un abonné m'a donné, qui est de survivre 5 jours dans le Nether. D'accord ? Ouais. Sachant que bon, je sais même pas comment faire pour savoir quand un jour passe parce que dans le Nether il y a pas de jour-nuit. Bon, on comptera, je sais pas. Et en fait, ma question c'est est-ce que vous pensez que je vais dans le Nether avec rien, genre zéro stuff ? Est-ce que je peux me refaire quelque chose dans le Nether sans rien ? Voilà, c'est ma question. Déjà, qu'est-ce que t'en penses toi ? Bah, déjà, tu peux. Mmh. Parce que techniquement, dans le Nether, tu peux trouver du bois. Tu peux faire des outils, tout ça. Ok. Tu peux trouver aussi de la pierre, ça s'appelle de la blackstone. Avec ça, tu peux faire des fours, etc. Donc, mais non. Tu peux te refaire clairement une aventure, en fait. Il y a de la pierre dans le Nether. Ok. C'est fou. J'ai essayé de te montrer parce que hier encore, je me suis connecté sur le serveur. Je me suis baladé un peu plus loin. Mm-hmm. Et j'ai trouvé une zone avec des biomes intéressants. Oh, ok, bah, mec. Si j'arrive à t'y emmener, si je m'en souviens. Vas-y, pas de soucis. Ça, hein. C'est cool. Pas de stress. Mais alors la nourriture, on fait comment par exemple dans le Nether la nourriture Sinon, ouais, c'est une bonne idée en vrai.
Après, sans stuff dans le nether, ça peut être assez compliqué. Donc si... Mais après, la nourriture, je fais comment? Alors attends, la nourriture, je sais pas si... Ah oui, la nourriture, tu peux aussi, parce qu'il y a des nouveaux mobs, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des gros cochons, là, qui font du... qui donnent des côtelettes, en fait. Ah ouais, les gros mammouths, ouais, mais faut déjà être stuff, en vrai, non, pour se les faire. Ouais, ils sont assez forts, mais en vrai, si tu vas avec zéro stuff, je trouve que c'est assez chaud, perso. Ok, bon, écoute. Eh ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, pour ou contre, est-ce que j'y vais avec un petit stuff de merde pour commencer, est-ce que j'y vais avec tout mon stuff actuel, mais ce serait peut-être pas fun, ou est-ce que j'y vais tout nu, voilà, est-ce qu'on fait un peu de naturisme dans le nether, dites-moi tout ça en commentaire, et puis voilà, c'est un donjon ça, oui c'est un donjon, incroyable, enfin un donjon, oui si c'est un donjon. C'est pas plus mal d'y aller à poil et faire un peu chaud aussi. Eh ben oui, on profite de la chaleur un peu. Faut bronzer. C'est pour bronzer, voilà, on va bien bronzer, oula, j'ai pas pris de bouclier sur moi, hein. Et ça c'est quoi comme minerai du coup, je peux casser là comme ça? Vas-y, je te laisse. Ah bah c'est des... Oh, 12 bon. Oh, waouh. Fortune. Oh mec, ouais, j'ai fortune. Ah, c'est pour ça. Ouais, mais en vrai, avec la fortune, là, c'est clairement un moyen de faire de l'or assez facilement ici. Mec, c'est abus. Attends, je finis ça, je te dis combien j'en ai au total. Ça me fait... Bah, ça me fait un stack, en fait, de golden nuggets. Tiens, c'est cadeau. Non, vas-y, prends-les. Mais non, mais je t'offre. C'est rien pour toi, mais je t'offre. Incroyable. C'est génial, ok. Je te follow encore. Et t'as déjà découvert, je sais qu'il y a des petites structures en os et tout, t'as découvert ça ou pas? Non, pas encore, mais je crois que j'ai trouvé le biome où ils sont. Oh gros, il y a une forêt là-bas? Voilà. Oh, j'ai failli tomber dans le vide par contre. Il y a une forêt bleue. Enfin, verte. Forêt bleue. Ah, moi je la vois pas, j'ai... Ah ouais? Vas-y, vas-y. Par contre, je sais pas si... je sais qu'il y a des forêts où je suis dû aller et genre j'ai tout rasé. Excellent, alors là qui passe. Il y a plus de bois, tu vois. Ah bah c'est là. Oui. Il y a plus de bois. Il y en a encore là. Ah c'est. Encore, quand même, ça. Ouais, si ça va. Mec, mais ça tue, mais c'est trop bien, mais mec, oh là là. On va aller un peu plus loin, peut-être que la forêt est plus pleine, je sais pas. Vas-y, on va terminer tranquillement là-dessus, je te follow. Mec, ça tue, mais c'est fou. Oh les gars, j'ai hâte de faire l'objectif d'aller vivre 5 jours dans le Nether, hein, vraiment. Oh, mec, attends. C'est déjà un sacré objectif. J'ai des bruits d'ambiance incroyables. Et non, mais ça maintenant, oui, c'est... Attends, je découvre. Même dans le Nether normal, normalement, il y en a. Ok. J'ai un peu monté le volume pour qu'on découvre bien à fond, parce que waouh, ça fait peur. Ok. Oh waouh, mec. Là, il y a une forteresse derrière. Ouais, je vois ça. Ah ouais, attends, je vais te montrer aussi, je vais te montrer. Bon, okay. Descends, on s'en fout. Ok. Alors, donc là, les amis, ce que vous entendez en fond discrètement, c'est pas moi qui l'ajoute au montage. Hein. C'est quoi, ça? What? Je connaissais même pas. Ce truc-là, ça s'appelle un strider. Ok. C'est... En gros, si tu lui mets une selle dessus, il peut marcher sur la lave. Oh, c'est ça! Ok! Ça, les trucs. Dommage, j'ai pas pris de selle, j'aurais dû temporiser. Au pire, je rentre chez moi et je me TP, si tu veux. Vas-y, gros, si t'es chaud, vas-y, fais-moi ça. Et t'as pas besoin de les apprivoiser, ces trucs? Pour le coup, je ne sais pas. Il me semble que c'est avec des champignons. Non, mais faut faire d'abord une fishing rod, mec, j'en suis sûr. Alors, mais oui, voilà, c'est ça, il fallait. J'en étais sûr. C'est bon, je l'ai. Donc d'abord canne à pêche. Alors, bonjour. Alors si je fais ça. Mec. Ok, trop alors, bien. Si je marche là, pas de dégâts. Encore du fil sur toi, mec. Tiens, carrément. Je te donne ça, tout. Si on en fait rien. Oh mec. C'est. Alors là j'ai hâte de voir dans la lave comment ça va se passer. Oh, on va super vite. Oh mec. Mec. Oh non, faut que t'essayes. De loin ça. De loin ça rend bien, mec. C'est vrai? Attends, je vais voir, vas-y, viens gros. C'est trop drôle. Oh! Par contre Attends, je vais te mettre un bloc. Ah non, mais c'est bon là, c'est bon, j'ai trouvé. Ah bah désolé. Parfait, tiens, et prends ça. C'est excellent, gros. Donc ça vient des forêts Warped, c'est ça? Donc là on est dans une forêt Warped. Warped. C'est sympa, hein. Ça a l'air tellement con, ce truc, en plus. Mais je te jure, de loin, ça, c'est excellent. J'adore. Mais ça, tu mets un name tag, c'est ton nouvel animal, hein. C'est ça. Mais attends, il y en a d'autres, je vais essayer de t'en ramener, hein. Vas-y, ça marche. Ah oui, là-bas, il y en a un. Je sais pas si... Si, il sera attiré, normalement, il sera attiré. Ouais, ouais.
Allez, viens. Mais t'as une deuxième selle? Ouais, t'inquiète. Oh là là, c'est lourd, on va se faire une petite balade. Mais alors la question que je me pose, comment tu fais dans le Nether pour avoir de la ficelle? Dans les forteresses peut-être, je sais pas. Ah ouais, ça va être compliqué si je... Il y a des araignées qui peuvent spawner dans le Nether. Je sais même plus. Franchement, je sais pas. Parce que pour ma survie de 5 jours dans le Nether, si j'y vais nu, je pense que ça va être compliqué de pouvoir apprivoiser ces trucs-là du coup, mais... Vas-y, c'est bon, il te follow. Putain, c'est génial. Mais essaye de mettre un bloc en dessous pour que je puisse monter. Vas-y, attends. Ou alors, attends, casse. Non, non, rien, viens, c'est bon. Ok. C'est excellent. Voilà. Attends, viens, suis-moi. Mais c'est beaucoup trop drôle. Mec, attends, on va y aller en même temps, voilà. On fait la course. Attends, on va... Si jamais c'est aussi long, on va générer des nouveaux chunks, je pense. Cool. Ah, je vois un... Oh, waouh. Eh, y a des... Ah non, c'est un arbre. Oh, mec. C'est trop bien. C'est excellent. Mais si, y a une structure, gros, Ah non, mais c'est un donjon, je crois. Je pense. Ouais, je crois que c'est une forteresse. Oh. Attends, je vais augmenter ma... Y a une forêt rouge. Ah, ouais. On peut trouver aussi des bastions. C'est des nouvelles structures, mais j'en ai jamais trouvé pour le coup. Si j'en trouve une avec toi, c'est ultime. Ok. Ok, let's go. Les bastions, c'est pas les trucs en... En os? Non, c'est la maison en gros des piglins. D'accord. Des trucs. Ok. Alors mec, au-dessus, en haut de la colline là. Attends, on va laisser nos trucs ici. On va essayer de les garder parce qu'ils peuvent partir évidemment. Attends. Comment tu récupères ça? Ah. Non, toi. Mais reste là-dedans. Il t'aime trop. Vas-y, on va creuser, c'est mieux. Non, ils vont se barrer. Venez. Ah bah attends, je les attire et toi tu fais le trou. Voilà. Venez. Venez les loulous. Et de 1. Comme ça, on va pouvoir repartir. Impeccable. Attends. Regarde au-dessus, mec. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Ah! Attends, mec, je sais pas comment ça marche. Gros. Attends. C'est méchant, hein? Comment il t'attaque, ouais? Il a loot quoi? Je vais te donner. Je suis là, pardon. C'est merde. Ah oui, bah il donne la bouffe quoi, ok. Excellent. Du cuir. En vrai, il y a moyen de faire une ferme aussi avec ça, mais on va pas exagérer, j'en ai dit assez, je pense. Excellent, ok. Oh, il y a un. Mais non, c'est des arbres. C'est accolé à une forêt verte, c'est marrant ça. Mec, on va faire un truc, mec, on va trade avec les... Ah, je me fais attaquer par les cochons! Par contre... Prends le casque, mec. Si t'as un casque en or... il t'attaque pas. D'accord. Voilà. Alors attends, j'ai pas ça, je crois. Si t'as une pièce d'armure en or, il t'attaque pas. Ok. Qu'est-ce qu'il veut, toi? Wow, il propulse loin. Ok, bon, j'ai de l'or sur moi de toute façon, mais bon, la flemme, c'est bon, on est trop fort nous. Et qu'est-ce qu'il veut le bébé là? Ok. Bah. Et il part? En fait, les petits, ils ont un élan de courage, puis tu les frappes et ils se cassent. D'accord. Incroyable. Là, bah, attends, mec, on va faire un truc. T'as du bois? J'ai du bois. Tu peux faire une table de craft. Ouais. Bouge pas. Mais avec les bruits d'ambiance, c'est Eh oh, il m'a fait peur. Et alors du coup on est d'accord, il y a plus de pigmen alors? Si, bah c'est ça en fait. Prends ça. Ok. Alors, tu vas vers lui là-bas et tu lui jettes. Et il va te donner un truc en échange. Eux là? Ouais. Tiens. Ouais, il t'attaque pas vu que t'as de l'or sur toi, il t'attaque pas. Mais non. Et il va te looter un truc. Mais mec, mais c'est incroyable. Mais mec! Même pas. Ah, reviens, j'ai de l'or, tu nous aimes, regarde, tu l'aimes bien, viens. Et si je. Non, il s'en fout. J'ai de lui, non. Oui, ah tu ouais? Vois, il aime tellement l'or que tu peux faire une diversion, tu vois. Ah ouais, mais mec, c'est génial. Et là, je peux faire le petit poussé peut-être comme ça? Ça marche. Et en fait,
Il va te suivre. Et si tu veux, par exemple, l'emmener à un endroit, t'as juste à faire ça et il va y aller. Quoi. Mec, c'est du génie. Et en fait, il va tout le temps te looter. Mais j'adore. Oh, il m'a donné... Ah non, il m'a donné de la nether brick. Oh, je suis deg. Je croyais que c'était de la netherite. La netherite, on va voir ça juste après, je pense. Vas-y. Attends, par contre, il me donne des trucs. Ah, c'est fou. Attends, j'ai juste récupéré mon or, là, parce que c'est bon, voilà. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il m'a loot, là-bas? Ok. Il m'a looté de la soul sand. Ok, t'es où? T'es là. Ok, j'arrive. Dis-moi tout. Eh hey, oh! J'ai de l'or, calme-toi. Ah bah. Vas-y, je te suis. Y'a encore une famille de piglins là-bas. Ah, Osef. Ici, je t'avoue, je suis pas encore allé, donc on va où tu veux, si tu veux. Bah vas-y, on continue. Hein. Oh mec, la musique, elle est belle par contre. Ah, t'as mis la musique? Ouais. Oh mec. Oh. Oh non, oui, c'est trop bon. Les nouvelles musiques, elles sont vraiment sympas, c'est vrai. Je sais plus c'est qui la nouvelle compositrice, mais... Elle s'appelle comment? Je sais pas. Ah, tu t'es même pas renseigné. Parce qu'il y a toujours... Attends, il y a encore une forêt là-bas. Ah, je vois ça. Parce qu'il y a toujours C418, et il y en a une qui s'est ajoutée du coup. Wow. Oh mec, attends, juste désolé, mais là, le piano et la basse, là... Quel régal. C'est la pire vidéo du monde, je suis désolé les gars, mais... J'adore. Mais en vrai, ça c'est une musique que tu mets en fond pour discuter tranquille. Hein. Ouais, c'est un peu. C'est un peu dramatique. Ouais, ouais, on n'a pas. J'imagine la même, mais. Ok. Alors la netherite, c'est couche combien? C'est comme le diamant. D'accord, ok. Bon, bah vas-y, la flemme en vrai, on va pas faire ça, mais je veux dire, ok. Bah, mec. En gros, tu dois creuser et la difficulté, c'est que en dessous, t'as des poches de. Enfin, t'as des poches d'air, mais il y a de la lave dedans, du coup. C'est ouais, je vois. Ok, très bien. Ça, c'est un peu dangereux, quoi. Ok, bah mec, c'est génial, par contre, c'est magnifique. Et tout est magnifique pour... Tu sais quoi, on va arrêter cet épisode-là, les amis. Je pense qu'il aura été assez long. Mais c'est magnifique de se quitter comme ça, là. Regarde, mec, tu sais ce qui est magnifique, là? De 1, je suis avec Seriac. Ça faisait grave longtemps. Et c'est peut-être une des premières vidéos officielles qu'on fait à deux. Deuxièmement, on est dans le nouveau Nether. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis très content d'être là. Bah écoute, ça me fait plaisir, d'autant plus. Je suis très content d'être là. je parle sur une musique de fond qui est tout aussi magnifique. Enfin, il y a trop de trucs magnifiques ici. Je veux même plus retourner dans le monde normal, gros. C'est pas normal. Techniquement, tu pourrais. Hein. Je pourrais, mais c'est pas le but du jeu normalement, mais c'est tellement, tellement bien. Bon, attends, je vais un peu baisser. Faut pas déconner non plus. Et ben les amis, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez apprécié le retour ou alors la découverte pour certains, et bien de Seriac, tout simplement. Voilà. Comme tu m'as dit, du coup malheureusement YouTube c'est un peu complicado, hein. Effectivement oui. donc voilà. Est-ce que tu veux que un champignon. Est-ce que tu veux que je mette en description un lien qui redirige vers chez toi ou dis-moi. Écoute, la chaîne existe encore, s'il y a des gens qui veulent aller voir, libre à eux. Mais bah sachez voilà. Qu'il y aura plus avant très longtemps. Je ne sais même pas moi-même quand il y en aura, donc si vous voulez faire un tour, allez-y. Eh ben, je mettrai la chaîne de Seriac au cas où. N'hésitez pas à voir. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures et pour de prochaines vidéos. Et bientôt, le challenge de vivre le plus longtemps possible dans le Nether, en vrai 5 jours. Oh là là, mec, la musique! Gros! Oh non. Eh, tu sais quoi? Je dis plus rien. C'est l'heure de l'outro.